Bonsoir, amis téléspectateurs. Bienvenue dans le Téléjournal à Soya. Nous allons voir rapidement Pigou Point Actuel. Le président de la République, là, Jovenel Moïse, est arrivé matin dans le pays Italie. Dans le cadre du voyage officiel, ça, chef d'État a bien pour discuter avec homologue italien Li, doit tout rencontrer Pape François demain vendredi dans le Vatican. Toute commission permanente déjà formée dans le Sénat République, là, il y a une nouvelle commission spéciale qui est formée, tant que commission bicamérale des charges, à commission sous amendement règlement intérieur Sénat. Problème toute qualité système éducatif là a fait face, c'était dans mi-temps, discussion yo, jeudi 25 janvier, entre commission éducation Sénat avec ministre éducation nationale avec formation professionnelle là, Pierre Josué Agénor Cadet. Processus choix coup pour première session année académique 2018 là, recommencé dans faculté sciences humaines. J'en conseille coordination faculté a été prévoit là. Processus là déroulé en présence d'agent Simo dans l'espace faculté. Actualité à l'autre bord de l'eau, la Cour appelle à Porto Alegre dans le pays Brésil, condamné à hier mercredi 24 janvier, ancien président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva. La justice condamné ancien président pour passer 12 années dans la prison. Ces points saillants avec divers lots, nous allons développer pour vous, rester branché, Naptounet. Merci pour fidélité au Acte Télévision Nationale d'Haïti. N'a démarré avec page météorologique Journal là que Wilner Polidor a présenté. Salut les amis, c'est un plaisir de me retrouver encore jeudi pour prévision météorologique là qui se trouve dans Courtoisie Centre National Météorologie Pays d'Haïti de concert avec Cofnac et puis Télévision Nationale d'Haïti. En à l'ouest sous-région, comment condition est? Nous avons de l'air relativement humide qui trouve lui non seulement dans la partie centrale, mais la partie ouest région Caraïbes. La situation ça a occasionné quelques averses la pluie pour aujourd'hui sur quelques départements parce que la situation ça a influencé, supportée par un flux de sud-ouest qui a alimenté l'humidité sur la région sud pays d'Haïti. Ça veut dire département Gredos sud, sud-est avec NIP. Et à la rigueur, l'Ouest est concerné par l'activité de la pluie pour jeudi. Et la pluie, ça y a tôt dans l'après-midi et dans le fin après-midi, éventuellement en soirée et sous région nord, pays d'Haïti. Pour la capitale, avec zone qui revient en lieu, c'est une capitale qui a quelques activités de la pluie après-midi, surtout au sud et à l'est du département de l'Ouest, du quartier qui revient en capitale, pays d'Haïti. Et jeudi, on a bien une température qui a monté jusqu'à 32 degrés, puis voilà, descendre, c'est 20 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui agite sous côte nord, sous côte sud et golfe de la Gonâve. Mais la mer a renforcé pour Assoya, pour demain et samedi. Nous avons vraiment la mer qui est très forte et c'est pour ça que nous commandons que la mer a commencé à agiter, la vigne forte Assoya et éventuellement samedi, nous avons une très grosse mer sous la région nord avec côte sud, pays d'Haïti. Et pour page astronomique, aujourd'hui, le soleil a couché à 5h39.24. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous allons croiser demain pour l'autre page météorologique. Jean noté annoncé dans Titio, président de la République, là, Jovenel Moïse, accompagné première dame Martine Moïse, président Sénat Joseph Lambert, avec président Chambre députée Gary Baudot. Rivé matin dans le pays Italie. Dans le cadre voyage officiel, ça, chef l'État a bien pour discuter avec Tokay italien. Le président Jovenel Moïse doit rencontrer Pape François demain vendredi dans le Vatican. Sabine Jean-Étienne, depuis Italie, a dit nos plus. Président de la République, Jovenel Moïse, rivé jeudi 25 janvier dans ville Rome, pays Italie, pour une visite officielle deux jours. Chef l'État qui vient avec lui, première dame République, là, Martine Moïse, acteur petit li, accompagné tout, yon vingtaine personnalités, Panio, ministre Affaires étrangères, Antonio Rodrigue, président Sénat République, là, Joseph Lambert, président Chambre députée, Gary Baudot, pendant deux jours visite officielle, ça, Pape François a accordé audience à président Jovenel Moïse, dans la bibliothèque Saint-Siège, là, et tout de suite après, chef l'État a chita parlé à cardinal, secrétaire d'État Vatican, Pietro Parolin. L'autre rencontre au niveau doit dérouler pendant la journée à Tokaïli,
Sergio Mattarella et puis président conseil ministériel Paolo Gentiloni Silveri. Ensemble discussion ça doit centrer sur relations en Italie à coopération à Tahiti avec gouvernement italien et puis à Kita, Cité Vatican dans divers domaines tant éducation, agriculture et santé. N'a pas en direction au Parlement haïtien, vice-président Sénat Pierre-François Sildor confirmé et toute commission bicamérale d'échange, commission sous amendement règlement intérieur. Sénateur Sildor dit que nouveau bureau a continué le travail pour rendre le Sénat plus dynamique par ses gens payés pendant l'année 2017. Là. Il y a un extrait dans le micro Fedner confident avec Moïse Joseph Wilbridge. Mon conseil, ce qui fait mardi, pour former commission, différentes commissions, les commissions permanentes et les commissions spéciales, selon les règlements intérieurs du Sénat de la République. Donc, 13 commissions permanentes sont formées, et dans 3 commissions spéciales qui sont déjà formées. Donc, dernière commission spéciale, qui est la commission de décharge, et décharge, c'est hier, de former seulement. Et les mêmes premiers généraux de décharge, c'est les mêmes qui peuvent permettre ou sanctionner gestion d'abord Sénat, en même temps gestion, c'est des directeurs généraux qui baillent servir selon la fonction publique. Donc ces commissions sont la dernière commission à former hier après-midi. Il y a une commission spéciale décharge, il y a une commission spéciale sur réforme règlement intérieur et réforme constitutionnelle. D'après l'article 204 règlement intérieur, là, commission spéciale ça, décharge, compte généraux et décharge, il doit réfuter la proposition du Sénat de la République. Donc, PHTK est allié qui bloque majoritaire là. Nous avons appris quitter là, tout est rendu en 5 sénateurs, mais nous avons quitté là-dedans. Et le dernier monde qui est en date, c'est le sénateur Jean-Marie Salomon Junior qui quitté après, bien prêté. Et même s'il n'est pas inscrit officiellement au Sénat, nous connaissons une opposition, un bloc d'opposition. Donc, nous essayons de constituer et commission spéciale au niveau du Sénat de la République qui a présenté 6 membres et la Chambre des députés 9 pour faire 15 membres de commission spéciale. Là-dedans, il y a 4 sénateurs qui représentent la majorité. Il y a 1 sénateur qui représente 100 plans à prix et un sénateur évalué au plan qui a senti l'opposition. Donc, il y a un sénateur Dieudonné Lima Etienne, il y a un sénateur Ronny Célestin, il y a un sénateur François Denius. Nous avons un sénateur Kedler Augustin pour majorité. Hein. Nous avons Valéry Poblan pour opposition. Et nous avons Ronald Larèche qui a pris. C'est ça qui était pour la commission, la partie maintenant concernée, Sénat, l'UTA, désigné maintenant 9 députés qui pour former commission bicamérale, ça, commission des comptes généraux et des charges. Commission éducation Sénat, Chita Palais, jeudi 25 janvier, avec ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre-Josué Agénor Cadet, problème toute qualité système éducatif là, a fait face, c'est un mi-temps discussion yo. Sénateur Niplan, Denis Cadeau, qui c'est président commission 1, annoncé yon l'autre rencontre, financement Patrick Salomon pour 8 février prochain. Dans l'idée pour discuter sous problème enseignant. Yo. Il y a un extrait dans le micro Fedner confident avec Moïse Joseph Wilbridge. Ensemble, nous parler, nous discuter sous problème Sibo, problème Brunec, problème lettre de nomination de en pile enseignant dans l'école nationale, dans le lycée Apton. Nous aborder également question qui liée à arriéré de salaire. Nous fixer une séance de travail que nous avons fait ici en Parlement avec ministre éducation nationale là, ministre finance là, premier ministre là. De travail ça nous avons fait jeudi 8 février. Pour nous garder côté problème non posé. Parce que, à chaque intervention ministre, il redit là encore dans la rencontre que nous avons là, presque, il y a deux enseignants qui ont l'être dans la main, qui peuvent toucher. Ensemble avec lui, nous avons gardé avec le ministre finance, avec le premier ministre, qui bon problème nan yé pour nous capable résoudre problème nan incessamment. Nous garder avec lui tout
sous question en pile l'école qui délabrée. Et nous avons garanti que dans certains départements, il y a un pile marché qui est en lancé pour permettre que nous arrivions à reconstruire ou bien construire l'école qui délabrée. Nous avons avancé ensemble avec le ministre en tant que président de la commission éducation pour que l'année 2017-2018, problème qui gagne dans le système, particulièrement la question de nomination des enseignants, la question d'arriéré de salaire pour certains enseignants, problème qui gagne dans les FACAPIO, ensemble, nous travaillons pour être capables de résoudre le problème. Ministre éducation nationale là, Pierre Josué Agénor Cadet expliqué depuis l'arrivé dans tête ministérielle, il déjà régularisé situation plusieurs enseignants qui pas nommé au SNON, qui pas touché. Ministre Cadet reconnaît bien divers autres enseignants qui travaillent qui coco joignent lettre nomination yo. Dans ce sens-là, il y a des démarches qui déjà a fait pour résoudre le problème ça. Il y a un extrait d'un micro fait à confident avec Moïse Joseph Wilbridge. Question paiement enseignant psugo honnête moun ki gen lettre nomination pa touché professeur qui est dans salle de classe qui a tant lettre nomination yo qui réponse nous pote a eux même nous bay comme bande 14-15 honnête psugo qui sont dette publique sont bagay qui dans même ministère des finances et nous déjà écrit ministère des finances pour payer dette ça qui c'est une dette publique, j'aime ce dire là. Pour l'année 15-16, plus de 85% enseignants, gardiens, ménagers et autres étant touchés. Nous disons dans tout le pays, actuellement, c'est seulement plus de bouillon. Et je dis, nous en pour parler avec coup de compte pour nous reconstituer le contrat pour nous avoir touché. Il y a des gens qui ont la domination qui devraient toucher longtemps déjà. Depuis notre budget rectificatif là, l'agence a été là pour le toucher. Malheureusement, il y a plusieurs dans le pour toucher. Et nous disons tout, hier nous dépassons dans le ministère des Finances, notamment le directeur de ressources de la finance, côté loin que il y a 257 dans le qui a touché dans moi ça. Mais son question de lenteur administrative, nous disons nous-mêmes tout dans le ministère. Dès que le problème est posé, nous rapidement dresser le dossier, nous voyons aller, qu'on peut aller. Question de nomination enseignant. Eh bien, il y a plusieurs milliers d'enseignants qui trouveront dans la salle de classe sans lettre nomination. Bien que ce n'est pas l'État qui mette dans la salle de classe, mais ils sont là quand même, ils sont comme des victimes. Et nous-mêmes, en tant que ministre, enseignants de carrière aussi, nous prenons engagement pour tout nommer. Et pendant ma parole à la, il y a plus passé 2000 lettres qui ont déjà signé, voyez, acheminé par OMRH, la primature, pour être capable de joindre l'approbation du Premier ministre. Donc, qui donc? Nous devons être nous comme délai pour finir ce moment de janvier, ça, les humaines qui ont préparé les tuyaux. Et pendant ma parole à la, il y a plus passé 80% dans les tuyaux déjà faites, les tuyaux déjà signés, pas moi-même, mais les fins signés. Étant donné que faut que nous ayons l'approbation du Premier ministre, nous devons voir les lettres dans la primature pour approbation. Il y a une équipe de lettres, photocopie, dans le nord, avec dans la Tibonite. Nous devons faire la direction de la portale là pour juste montrer aux enseignants que le processus est en branle, l'avancée, pas de blanc, sont réalités liées. Mais nous disons tout. Une fois que nous finissons de résoudre le problème, ça, nous mettons tout le monde qui va avoir les lettres dans la salle de classe qui qualifie. Pour ça, pas reproduire pendant l'État, pour nous ne pas avoir le droit d'entrer dans la salle de classe toutes les fois que vous parlez l'État va où, parce que l'autorité nominative là, l'État, n'importe qui ne peut pas entrer dans la salle de classe, Jean Pibito, sans l'État va dire à la donne. Un processus choix court pour première session année académique 2018 là, recommencé dans la faculté sciences humaines, Jean Conseil Coordination, faculté AP prévoit là. Processus l'a déroulé en présence agent Simo dans l'espace faculté A. L'équipe télévision nationale des sciences humaines en suivant reportage Roudly Noël à Jordanie Bozil.
À côté quelques agents sécurité université de l'État, yon camion agent Simo te présent dans la cour faculté a fait choix cours. Même si présence la police dans l'espace là correspond à la résolution 27 décembre 2017, conseil université a te prend concernant intervention la police dans la faculté qui est en crise, ça n'a pas empêché même communauté fâche là divisé sous présence agent Simo yo. Si j'étais chef, ça t'a dit dans fait mémoire yo, ça t'a dit dans fait maîtrise yo, ça t'a dit dans fini doctorat yo, mais yo obligé rete yo pas ta suite, pas ta vie l'école. Pour ne pas avoir présence policière dans la faculté. Parce que nous ensemble de bataille la faculté a fait déjà acquis démocratique yo, nous pas pile yo, acquis démocratique yo, nous pas galvaudé yo. Quand on a fait choix pour moi là, j'ai police ça bonne inquiétude monsieur parce que par rapport avec acte de violence qui qu'on a posé dans l'espace à nos périodes étudiants métiers menacé étudiants dit petit wow nèg a venir donc étudiants pour position nèg a tirer coup sur étudiants vin à l'autre monde dehors venir pour agresser étudiants parce que ça veut dire nous arrivé dans l'espace côté que même professeur t'a sorti nord dit côté étudiant a vin à bouteille tirer fait professeur courir étudiant a prend téléphone dans mes professeur tirer pour frapper à terre dit professeur ça veut dire nous arrivé dans un stade côté que il était une limite qui était arrivée, nous avons franchi que qui méritait des réponses. Inviolabilité espace université, c'est une point fondamental discussion étudiant concernant la présence de la police dans l'espace là. Jean-Ederson Jean-Pierre, représentant étudiant fachio dans le conseil université, a pas argumenté. En ce qui a trait à inviolabilité de l'espace universitaire, là, m'a invité tout le monde à lire l'article 34 constitution qui c'est maman loi pays, il dit clairement sous demande, en fait, un accord avec les responsables dans l'université, la police est capable d'intervenir. Donc, dans le cas de ça, les demandes dirigeants de l'université, la police intervenu. Ou pas qu'à dire, espace là violé. Et présence agent aujourd'hui, c'est résultat d'une résolution au conseil université de Pran, qui est la plus haute instance de l'UEH, depuis la date 27 décembre 2017, qui demandait présence policière dans la faculté d'ethnologie et faculté des sciences humaines. Toute démarche télévision nationale, bon côté dirigeant fachio, pour jeune information, sous présence de la police dans l'espace là, pas de bas résultat. Yon équipe télévision nationale d'Haïti, palais, jeudi 25 janvier, avec plusieurs élèves dans lycée Anténor Firmin, à collège Vision Caribéenne, sous date 28 janvier, qui s'est faite Saint Thomas d'Aquin, patron philosophio. D'après Elevio Joussard, c'est un occasion pour intellectuels yo réfléchir sous ensemble problème pays d'Haïti a fait. 28 janvier Kabunila qui s'est fait philosophe, série discussion, conférence, débat tout cas supposé gagner idée sous toute bagaille net. C'est ça la philosophie. C'est un pile bagaille que fait ça y est pour nous. Et c'est une façon tout pour qu'a mettre nous-mêmes qui arrivons dans classe terminale en valeur. C'est un grand fait, c'est un grand jour que lié pour nous. Dans l'occasion, élèves ont souhaité l'État haïtien prendre bon genre disposition. C'est ouvrir des portes université pour Simon Sayo. Depuis qu'on finit l'école, pour être toujours à nos côtés pour aller apprendre un bagage. Si l'État haïtien a créé un emploi dans le pays, hein, a créé comme si des mesures pour jeunes qui ont fini l'école, ce n'est pas dans l'autre pays pour aller. Si vous arrêté dans le pays pour travailler, aller dans l'université, pour aider le pays, pour utiliser le pays pour avancer, je pense que le pays nous a développé, nous avons l'autre Haïti. On l'a dit demain et nous croyons un changement et nous croyons que tout le bagage va aller mieux pour nous. Bon côté Payo, élève classe terminale dans le collège Vision Caraïbienne a organisé une activité dimanche 28 juin pour clôturer la série discussion. Notre dossier dans le journal là, dans le commencement de la semaine là, coordination en planté 8e section communale à Sainte-Ville-Saint-Louis-du-Sud, lancé un appel à l'administration Moïse, à gouvernement Lafontan pour voyager Gadeo. Face à difficulté à traverser dans le domaine agriculture, motokilte, manchette, engrais, c'est quelque matériel, organisation ça a dit la besoin pour travail dans IVA, d'après le secrétaire général là, Berman Sama. Yon extrait dans micro Midrey Milias ak Moïse Wilbridge. Objectif qui mène là, c'est pour nous capables de lancer yon appel par le gouvernement et Moïse Lafontan et pour prendre en considération et grief problématique et zone agricole celui du sud là et spécialement et son zone et paysan yo ta besoin en pile outils agricoles et motoculteurs et qui pour permettre yo capable avec campagne d'hiver commencer à pour faciliter et travail zone agricole là en plus yo ta besoin en pile engrais aussi et me penser à partir de message ça n'a plancé à n'a demandé de façon urgente
pour le gouvernement qui prend en considération l'importance agricole zone Saint-Louis du Sud. Il faut que nous notions ça. Saint-Louis du Sud sont une commune qui est très riche. Son commune au niveau du riz qui bail en pile et plantation, au niveau café, son zone qui est de grande importance et son zone aussi côté nous gagne en pile la mer qui est capable de permettre et au niveau économique nous bail en pile possibilité dans le développement et pays. Nous allons observer Kounia en pause publicité, pas débrancher Naptoné. Journal là a continué, gouvernement haïtien en tête ensemble avec l'ambassade Taïwan fait lancement hier mercredi 24 janvier à chambre commerce avec industrie haïtiano-taïwanaise dans Pétion ça a permettre échange entre deux pays au fait plus facile. Yon séminaire formation pendant yon semaine a déroulé dans intention médecins, infirmiers, pédiatres et l'autre professionnel santé. Séminaire ça rentré dans quatre formations continues, faculté médecine et pharmacie gagné pour aider personnel santé yo. Ayer mercredi 24 janvier, formation est plus centrée sous affaire dialyse. Côté responsable estimé, doué gain personnel qui ka répondre à demande moun qui malade nan rein yo. En suivant un reportage à lui, Marie-Jo, avec l'Aurore Darly Jean-Jacques. Docteur Audi, mais il a remarqué qu'il y a plus de monde qui avait fait dialyse dans l'hôpital. L'initiative, ça, qui a aidé l'hôpital, la population plus de services. C'est une première activité de ce genre réalisée dans le pays, hein, parce que nous constatons qu'il y a un intérêt de plus en plus qui a développé pour la prise en charge des maladies rénales. Et puisque actuellement, et dans le monde, la Société internationale de néphrologie l'a prôné que d'ici 2025, pour que pas gagner monde encore cap mourir de insuffisance rénale aiguë, nous voulons emboîter le pas. Et puisque pays nous avons pris le problème de formation dans certains domaines, dans le domaine ça, eh bien nous organisons un cours de formation justement avec les pédiatres, les internistes, les résidents en médecine interne, enfin tout le monde qui a formé pour une interniste, et les résidents en pédiatrie. En plus, les infirmières, car la dialyse, c'est un engagement infirmier aussi à plus de 70%. Et nous espérons que la formation ça, lui a permettre que le pays a une équipe pour nous sensibiliser et comprendre aussi que y a des compétences qu'a préparées pour permettre à décideurs yo les prendre décision pour yo faire charge monde qui a problème rénal que yo gagne monde qui prend. Docteur Judith Exantus fait qu'on est problème rien attaquer grand monde en petit monde. Il y a une situation qui mérite plus d'encadrement bon côté autorité responsable yo. Qui petit monde, qui grand monde, nous voulons des professionnels qui compétents qui à toute question ça payant, nous besoin backup la main parce que petit monde trop souvent négligé parce que leur petit monde gain problème dialyse. Il besoin rapidement pour nous sauver la ville en général parents tout comprendre que petit monde en bras mourir donc il leur le temps pour petit monde pas mourir parce que besoin dialyser en aigu et après ça en chronique faut que nous capable faire parce que tout le monde gain droit à la vie si on parle de hémodialyse même j'avais un grand monde au moins trois fois par semaine mais il doit on le problème aigu que le gagne même si tu en chronique et puis qu'on a la vie trop tension trop haut il prend trop de l'eau dans il est en pile là ça a trois fois par semaine grave 4 fois 5 fois par semaine grave dialyser même chaque jour. Docteur Audi Métayer mandé ministère santé publique à population plus moyen pour former personnel santé qui dans domaine ni groupe 6 communes nouvellement créées dit yo constaté jusqu'à présent Liancourt, Baptiste, Montrouy, Marfranc, Fondet-Blanc avec la pointe a fonctionné toujours communal malgré gagnant arrêté qui était sorti qui placé yo nan rang commune. Jean-Guibert Charles avec apôtre Élisée Blaise qui t'a attiré attention autorité concernée yo sous problème ça souhaité application arrêté ça en suivant extrait. Nous avons 6 communes qui ont 2 ans depuis exister. C'était seulement sous papier. Ils n'ont pas administré. Donc, la présence de l'État là-dedans n'a pas existé. Et la commune ça va fonctionner jusqu'à ce qu'on ait une section communale. Et dans 2 ans, on a supposé gagner l'élection. Donc, nous avons demandé à l'État pour permettre que la commune soit capable d'une structure qui vous mette base pour aller à l'élection même à toute notre commune. Parce que pas une petite commune, pas une grosse commune, toute commune c'est commune. Et Jérémy, c'est ancienne.
commune qui a contrôlé ma franc. Jusqu'à présent, taxe ma franc par Cabral, Jérémy toujours. Akaye, c'était commune qui a contrôlé mon oui. Jusqu'à présent, taxe mon oui par Cabral, Akaye toujours. Donc, c'est on perd pour toute commune ça. Commune ça, depuis le créé, seulement créé sous papier, par un décret, et que nous, 5 août 2015, jusqu'à présent, commune ça, pas une pièce structure, pas une pièce instance dans tête, cap dirigé. Et ça, clair, je dis, il y a un pile de problèmes dans la zone ça. Si zone ça, si les gens qui sont dans la zone ça, pas des responsables, je dis, il y a un pile de gens par rapport à la communauté sous contrôle. Je dis, la communauté sous contrôle, vous impliquer dans la zone ça, entrer dans la zone ça, les gens ne vont pas accepter. Et handicap, bon, bon, ils ont concret, 4 à 7 là, pour renouveler 6 nouvelles communes, ça n'a pas un bureau ni la caillou. Et les gens disent qu'ils vont faire 4 dans l'autre côté. Par exemple, nous avons tous les problèmes qui ont nous avons un peu de problèmes à caillou, mais nous, politiquement, nous avons faire 4 à caillou. C'est ça. Dossier justice, assistance légale, défenseur Plisla, Maxo, Jean-Louis, qui t'est rencontré avec la presse jeudi 20 et au poté amélioration dans le système judiciaire. Organisation en promet pour continuer à accompagner autorité yo pour travailler en façon pour diminuer phénomène de détention préventive prolongée yo. Fonds d'appui à la recherche phare, c'est nouveau programme financement travail recherche dans l'université l'État pour attirer attention population en sous programme ça. Yon équipe télévision nationale rencontré mercredi 24 janvier à directeur recherche UH là Bougenson André. Yon l'autre bord, équipe TNH là, parler avec responsable et puis quelques étudiants, faculté droit à sciences économiques, sous programme financement ça. Woodley Noël avec Jordani Bozil, Abdinopis. Pour ça, qui est environ 30 millions de gouttes, pour couvrir financement projet recherche, création laboratoire recherche et puis mémoire étudiant dans divers niveaux dans UH là. Pour exercice fiscal 2017-2018 là, étudiants qui ont fait mémoire dans niveau licencié, avenir une allocation entre 15 à 20 000 gouttes. Professeur Templeyo, vous avez jusqu'à 5 mémoires, vous avez encadré. C'est-à-dire que sur 4 mémoires, vous avez déjà un prime. Parce que en tant que professeur à temps plein, vous êtes obligé de se faire et encadrer 3 étudiants chaque année. 4e, il y a un bon prime, 5e, il y a un bon prime. Et si vous voulez encadrer 10, vous avez un prime, vous dites ça, seulement un prime jusqu'à 5e étudiant. Et professeur, la bien prime à partir de 1er étudiant. Faculté de sciences économiques, c'est une entité étudiant mémorant. Quand il y a des difficultés économiques pour payer les professeurs pour encadrer le travail. Dans le cadre du programme allocation, plusieurs étudiants ont été déjà postulés. Nous-mêmes, côté par nous, dans la faculté de droit, nous avons plus de 80 étudiants qui postulaient. Parce que c'était une date limite que nous avons. Okay? Plus de 80 étudiants qui postulaient. Et si nous continuons, nous avons plus d'étudiants toujours. Peut-être que toi, tu es capable d'un corps pour financer étudiants. Il y a quelques étudiants qui critiquaient, dirigeants FDS et eux, ils ont dit qu'ils manquaient pas d'informations pendant le recrutement pour le programme. Étudiants souhaitaient que le processus de recrutement continue. Circulaire, ça a mis un bon garantie. Je crois que le circulaire a fait environ 2 semaines. Et la population qui a doué le circulaire, ils ont avoué le sujet avec le professeur Cabron Cadet, ils n'ont pas été en train. C'est un bagage qui fait à la volée, c'est un bagage qui a fait en couille. Parce que faculté de droit, si je ne suis pas si on a une entité qui a plus d'étudiants dans l'université, si on a une entité qui a plus d'étudiants mémorants. Nous profitons pour ça pour nous capables de dire, prolonger les délais pour étudiants qui sont capables de jouer une possibilité, pour capable jouer un encadreur, rentrer en contact avec un encadreur qui voulait encadrer et au même personnellement pour. Pour ça qui concerne, possibilité pour étudiants mémorants des facultés qui ont pris participer dans le programme, directeur recherche IH là, Bougenson André, précisé. Pour sciences humaines et technologies, normalement, nous n'avons pas de problème. Il suffit que étudiants aient un cadre, parce que les facultés ont fonctionné hein, sur le plan administratif. Il faut vous approcher, bon type de démarche qu'a fait, pour vous avez besoin de voyager, etc. Étudiants qui ont besoin de notre chose, et il y a aucun ni. Donc, dès que étudiants ont un cadre et que prend contact avec les responsables de chaque faculté, il n'y a pas gagné pour pénaliser, étudiants pas pénaliser, même si c'est dans l'éthologie, même si c'est dans la faculté des sciences humaines. Être jeune et gagnant en Haïti, c'est sous thème ça. Memento Group a réalisé en conférence débat mardi 23 janvier 2018 là, dans la faculté de médecine, Université de l'État d'Haïti. Edir Emile, économiste, Marcus Bogoro, fondateur IMA Business Group, avec Mike Bello,
économistes et différents intervenants qui t'ont fait débat sous thème ça et puis partager avec jeune université qui t'est présent ça qui fait au moun yo yé jodi a. Contredit Rachel Saint-Fort avec Henri Robert Cher. C'est dans l'idée pour nous chita parler ça. Responsable mento groupe yo rete quoi activité ça, c'est une opportunité pour jeunes qui enquête inspiration apprendre sur parcours de jeunes ça qui réussit. Ça a aidé au bien choisir carrière yo et puis orienter vie sociale à professionnel yo. Objectif nous c'est mettre jeunes yo en contact avec des jeunes d'autres jeunes qui réussissent, qui constituent des modèles pour yo qui ca servir comme source d'inspiration. Donc sujet être jeune et gagner en Haïti, c'est bien deux volets. Être jeune, nous avons une population qui majoritairement constituée de jeunes et en pile dans jeunes yo, yo souvent pas bien orienté, yo pas bien inspiré, yo pas ouais comment pour que réussir dans le système là. Donc rôle nous-mêmes dans Memento Group, c'est assurer nous de faire connexion ça entre des jeunes, des modèles de réussite et l'autre jeune ça qui en quête d'inspiration. Discipline, motivation, attitude positive, éducation, c'est parmi les facteurs qui a aidé les jeunes à aller plus loin et puis réaliser rêve yo d'après intervenant yo. Si tu as parlé ça, c'est l'occasion pour inviter les jeunes universitaires yo bay tête yo objectif, définir priorité yo connait tête yo. Oser, aider et puis travailler ensemble avec l'autre jeune pareil pour un plus bon résultat. Un jeune obligé de gagner un objectif, pour qu'on ait qui côté le bras aller, pour qu'on ait un compte qui s'alvle, pour qu'on ait utilisé le temps de manière optimale pour ne pas utiliser le temps pour le gaspiller, pour qu'on ait un jeune qui est motivé pour le décider, l'élever un bagage, même le que l'IOL pas facile pour le quand même pousser pour le capable de réaliser. Pour que je n'ai osé, son beau que moi-même utilisé, pour que je n'ai osé essayer, même les que on l'autre monde qui a cru que le difficile pour capable toujours essayer. Pour que je nous connais l'école. Connais l'école, pas seulement faire tout, mettez ensemble pour créer des choses. En compagnie maintenant, il y a IMOR Business Group. Ce qui est, voilà, c'est une plateforme que je ne peux pas le suivre. Et de là, il y a plus d'informations côté chaque, peut-être, baronne décembre ou bien été, nous voulons prendre un groupe pour aller l'autre bord, pour apprendre à créer l'entrepreneuriat, pour comment vous pouvez vendre une tête. Mais aussi, je m'appelle des gens acheter en Chine, je m'appelle des Chinois rentrer à Haïti. Et c'est ça, vraiment, je dis, je suis connecté à tout ça pour que je connaisse. Mais l'orgon avantage, mais comme on peut utiliser, ce n'est pas ça que je veux croire, mais c'est ça qui est à ce qu'on a. La conférence de Bassa, c'est une parmi une série d'initiateurs qui prévoient organiser pour Génio, qui vise à permettre de joindre une vibration positive, qui a permis d'avancer. Nous arrivons au moment pour nous prendre une autre pause. Nous retournons pour ce journal. Nous allons voir l'actualité à Piloin Lacaille. La Cour appelle Porto Alegre dans le pays Brésil, condamné hier mercredi 24 janvier à l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva pour corruption et blanchiment d'argent. La justice brésilienne condamné ancien président pour passer 12 années en prison. Ensuite. Dans le mois de juillet 2017, là, Lula da Silva était condamné pour 9 années et demi d'emprisonnement. Alors que Lula était espéré condamnation annulée, qu'on y ait à peine augmenté. À mercredi 24 janvier 2018, là, la Cour appelle Porto Alegre condamné président Lula pour 12 années à 1 mois prison pour corruption et blanchiment. Lula a eu objectif participer comme candidat dans l'élection présidentielle mois octobre. Condamnation appelle ancien président brésilien pas mettre un bout dans le procès qui est lancé contre l'IA. Lula a toujours contesté la décision ça devant une juridiction qui pire, ça a permis de repousser l'échéance là plus loin possible. Déraillement et un train régional, jeudi 25 janvier, la cause 3 mounes pour Pipiti, Pedi Lavio dans le pays Italie. Selon dernier bilan, il y a 100 mounes blessés, parmi eux 10 dans un état grave en dessous. Rechercheurs et passagers qui coincés dans Tolio. Après déraillement en train qui touillait pour Pipiti 3 moun et puis la cause d'une centaine d'autres blessés, jeudi 24 janvier 2018 là. Il y a un problème aiguillage, t'as dans l'origine accident ça qui fait bosser tes matins, les Européens. Dans le train ça a été plusieurs moun qui t'a pas le travail, en rentrant ça fait accident. Président République la Jovenel Moïse arrivé matin. Président République la Jovenel Moïse arrivé jeudi 25 officiel ça chef d'État a bien pour discuter avec homologue italien li doit tout rencontrer Pape François demain vendredi à dans Vatican.
Toute commission permanente déjà formée dans le Sénat République là, il y a une nouvelle commission spéciale qui formait en cours commission bicamérale des charges, à commission sous amendement règlement intérieur Sénat. Problème toute qualité système éducatif là a fait face, c'était dans mi-temps décision yo jeudi 25 janvier à en commission éducation Sénat avec ministre éducation nationale avec formation professionnelle là Pierre Josué Agénor Cadet. Processus choix coup pour première session année académique 2018 là recommencé dans faculté sciences humaines, j'en conseille coordination faculté AT prévoit là. Un processus là déroulé en présence agent Simo dans espace faculté A. À l'étranger, la Cour appelle Porto Alegre dans le pays Brésil condamné hier mercredi 24 janvier à ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. La justice condamné ancien président pour passer 12 années dans prison. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. Restez suivre programmation. Bonne nuit tout le monde.